Salut tout le monde, c'est Jayden, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Super Mario Bros, hein, comme prévu après Sonic. Alors je vous préviens tout de suite que je fais la version américaine du jeu, et non la version française, parce qu'en fait la version française sur émulateur, c'est une version très accélérée. Et bah moi personnellement, jouer à cette vitesse, je ne peux pas. J'ai beau adorer Super Mario, et vouloir que ça aille plus vite à certains moments, là je ne pouvais pas. Donc vous voyez, hein, vraiment le tout premier jeu de Mario sur NES, avec les graphismes et tout, ça se voit, on est sur 8 bits, comme on dit. Le premier qui irait à cette blague, voilà, je pèse mes mots. Sinon, il y a un truc aussi que je vous signale, ce sont par rapport aux musiques. Les musiques, elles sont bien, mais je... Merde, je suis redevenu petit, pas de bol. Les musiques, elles sont bien, mais juste, je préfère vous prévenir sur un truc par rapport aux musiques. Vous entendrez des bugs de musique à certains moments et j'ignore pourquoi. Juste vous entendrez, c'est tout. Donc on avance. Donc je suis le super plombier Mario qui est chargé d'aller sauver la princesse. Et zut. Bon bah... Il ira en étant petit, c'est pas grave. Et je sais pas si on gagne une vie en ayant 100 pièces dans ce jeu. Tadadana. Ça fait bizarre de jouer à ce Mario, non pas qu'il est nul, au contraire, hein, c'est le tout premier, il est bien, juste ça fait bizarre. Hop, dans le tuyau! Ah! Je me suis fait piéger! Un petit détail aussi par rapport au Goomba, vous savez que maintenant dans les jeux récents de Mario, vous pouvez sauter. Mais si, vous savez, vous sautez tranquille. Vous pouvez sauter sur le Goomba, ça vous fait un saut plus haut si vous avez le bouton saut appuyé en même temps. Le problème, c'est que dans ce jeu-là... Mais vas-y, t'es dessous, là. Le problème, c'est que dans ce jeu-là, pardon, oui, donc je me suis interrompu, vous ne pouvez pas. Alors, vous pouvez pas choper les carapaces non plus, hein, mais... Ces détails-là, je peux pas vraiment les compter pour des défauts, parce que c'était le tout premier jeu Mario. C'est normal qu'il y ait un peu de malus comme ça. Aucun jeu n'est parfait, et même le prototype, à savoir le tout premier qui sort, a eu forcément des défauts à corriger. Et dans le cas de Mario, bah, voilà... Il y a des petits détails comme ça, mais ça gâche pas mon expérience de jeu et honnêtement, ça ne me déplaît pas. J'essaye de faire attention, j'ai pas envie de mourir. Alors, juste une petite astuce. Vous connaissez tous maintenant ce niveau de Mario, là, comme ça, où à la fin, on a une entrée secrète vers un... pas un autre niveau, mais un passage secret pour prendre un autre chemin, voire des canons, genre sur Super Mario, sur Nintendo DS, New Super Mario Bros. Mais là, si vous y allez, en fait, vous pourrez atteindre un raccourci pour le monde 2, le monde 3, le monde 4, enfin, ça dépend du tuyau que vous choisissez. Mais moi, je le ferai pas, parce qu'on est un joueur honnête, et donc, on va aller jusqu'au bout, en étant dans les règles, madame. Bah oui, je sais, c'est ridicule, mais bon, au bout d'un moment... Voilà, le jeu Mario a été fait exprès pour ça. Mais j'avoue que le coup de mettre des raccourcis, c'est pas mal. Les décors, ils varient bien. Hein. Même si on change de monde, on est toujours... Ah, les Goombas, les ennemis les plus faibles de Mario. Et bizarrement, hein, tout le monde les connaît, les Goombas. Oui, j'ai oublié de vous dire que Mario a une maniabilité difficile par rapport à ses sauts. Parce que Sonic, encore, quand on saute dans une direction, on peut essayer de se rattraper un petit peu. Mario, ça ralentit le saut... Mais ça ne le fait pas changer de direction. Et ça, vous voyez, je trouve que c'est un petit problème de ce jeu. Après, est-ce que ça fait que le jeu est mauvais? Pas du tout. C'est comme là, regardez, il y a un mur invisible maintenant qui m'empêche de retourner en arrière parce que l'écran est, je dirais pas splitté, mais disons que l'écran me suit et que justement, bah, si je dépasse, n'empêche que c'est pas facile comme jeu. Hein. Mine de rien, la maniabilité de Mario, elle est vraiment pas facile. T'as l'impression que... Waouh, j'ai eu du bol. En fait, on a limite l'impression que Mario a des chaussures en savon dans ce jeu. Et c'est vraiment pas pratique. Ah, je trouve qu'il a une meilleure fluidité dans les autres jeux. Hein. Heureusement que... Ça veut dire que si vous faites des sauts très longs, histoire de vous dire « Ouais, je vais contrôler », bah faites gaffe, hein, parce que ça a l'air difficile quand même. Nanana, j'atterris dans la grande tour et maintenant je vais sauver Peach. Je pense qu'il y a 8 niveaux dans chaque monde. Mais après, combien y a-t-il? Ah, non, il y en a 4 apparemment. Parce que ça, c'est le niveau du château de Bowser. Bah oui, je saute dans la lave. Je suis débile, les enfants, ne l'oubliez pas. Eh, je vais pas mourir dès le monde 1 quand même. Bon, après, c'est vrai que Mario, à l'époque, c'était un jeu assez difficile. Hein. Putain.
Je vous jure, la maniabilité, elle est incroyablement dure. Bon, bah voilà, premier game over. Je sens que je vais en avoir beaucoup plus que dans Sonic. Bon, bah je vous dis à tout à l'heure. Nous revoilà. Alors, cette fois, je vais en finir avec ce donjon de malheur. Waouh. Putain, ce qui est horrible, c'est qu'on redevient petit, en fait. C'est ça qui est horrible. En fait, moi, je pense que ceux qui adorent les jeux Mario vraiment de maintenant, Mario Bros, oui, Mario Bros DS, tout ça, je pense que ces personnes, ils détesteraient ce jeu. Parce que ce jeu, il est dur, et la maniabilité de Mario est exécrable. Entre ses chaussures en savon... Battu, Bowser ! Et voilà, j'ai sauvé le petit Toad ! Merci, Mario, mais notre princesse est dans un autre château ! Ah bah super. Allez, monde 2. On perd pas espoir. Je vais voir combien je vais faire de monde, ça dépend du temps que je vais mettre à tourner, même s'il y aura probablement des coupures, vu que j'ai eu un game over. Mais bon, on verra bien. Hein. Oh, oup. Oh. Mais non, mais il s'est retourné sur moi, c'est pas légal. Bon, si, en vrai, c'est légal, je suis mauvaise langue. Oh, champignon! Viens, mon petit champignon. Essayons de ramasser des pièces. Quoi? Quoi? Mais je l'avais pas vu! Mais je l'avais pas vu! Ah, sérieux? Ah, mais limite, on dirait un piège à la Unfair Mario. C'est quoi ce délire? Non, putain, j'ai raté le champignon. Je viens d'y penser. Tant pis, j'avance. Et hop, allez, va. Oui, champignon, champignon. Les champignons, c'est la vie. Tiens, mangez. Mangez dans la figure. Et on viendra pas parce qu'il est hors écran. Ah, au secours. Les Goombas, même pas les Goombas. Donc il y avait déjà des blocs cachés à cette époque. Alors moi j'aime bien le timer parce que vous voyez, le chrono il va beaucoup plus vite que prévu. Je trouve ça drôle. Musique, elle se répète, mais ça va peut-être changer en fonction des mondes. Après, des musiques qui se répètent, en général, c'est pas trop grave. Putain! Mais voyez, il s'est retourné quand il est arrivé en bas! C'est quoi cette arnaque, là? Dégage! En plus, il traverse les... Putain, mais... Quoi? Ah, non! Non! Tu meurs! Voilà. Et tu restes là, surtout. Oh, mais donnez-moi un champi, là! J'ai plus qu'une vie, je vais mourir comme un caca! Oh, trampoline! Boing! Putain, c'est grand quand même, hein. Non, franchement, je vous assure, on dirait pas, mais ce jeu Mario, il est vraiment plus dur qu'on pourrait le croire. Hey! C'est répété, ça! C'est du recyclage! Non! Un niveau sous-marin! La musique est trop cool, j'adore. Mais non, un niveau sous-marin! Ce sont les pires niveaux des Mario, ça! Les niveaux sous-marins, ah, quoique là t'es pas trop lent dans l'eau, je trouve. Parce qu'en fait, le problème des niveaux sous-marins, c'est qu'en général, Mario et même les autres personnages en général. Waouh! Waouh, doucement! Mais non, mais dégage toi! Mais non, mais. Il veut pas me laisser passer, hein! Voilà, merci! Avec les chip-chip en plus. Non, va-t'en! Va-t'en, reste pas là, s'il te plaît. Non, putain. Non, mais en fait, il se prend le rebond, il se dit je rebondis sur le mur. Bon, bah, recoupure. Alors, je vais vous montrer le passage secret. Regardez. Vous voyez, Welcome to Warp Zone. Ça veut dire choisis le monde dans lequel tu veux aller. Et là, je suis dans le monde 2. Ouais, c'est. Il y en a, ils vont dire c'est abusé de mettre des raccourcis dans ce jeu vidéo. Alors, oui. Mais quand tu vois la difficulté et le fait qu'il faut parfois tout et qu'il faut tout refaire quand tu perds la partie, parce que je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde, je trouve ça légal. Là-dessus, Mario a bien joué le coup. Les développeurs de Nintendo, ils ont bien géré. Allez, laissez-moi finir. Alors, est-ce que je gagne une vie? Oui. Le bruit du son nous dit que je regagne une vie. Ah, il saute pas hors de l'eau en plus. Génial. Allez, voilà, dégage. Voilà, moi j'avance, hein.
Tu peux t'en aller? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je me disais, mais pourquoi il va que dans une direction? Non, non, il se fout juste de ma gueule, en fait. Ouah. Pourrait mettre un indice graphique, quand même, que pour dire qu'il y a le courant. Bon, au final, on le voit, mais... Il pourrait quand même mettre un indice graphique ou quelque chose, genre des petits trucs blancs, des petits traits blancs, tout simplement. Indice, comme ça, on le voit, et on dit pas, oh là là, mon Dieu. Je trouve qu'ils abusent quand même un petit peu, les développeurs. Franchement, je vais pas compter mon nombre de game over, parce que si j'en ai autant qu'avec Sonic, ça va me saouler. Mais bon, de toute façon, je pense pas que la vidéo sera en une partie, je crois qu'elle sera en deux parties, on verra. Ça dépend de... du jeu en lui-même. Waouh! Putain, les poissons! Eh, les poissons, ils se mettent à voler! Waouh! Je vais me le prendre, lui. Parce que j'imagine que si j'en touche un, c'est pas bon. J'ai pas le droit de sauter dessus. Il y a un Mario où tu peux leur sauter dessus. Je me demande si c'est pas le... Non! Oh! Ah si, je peux! Non! Oh putain! La panique, j'ai pas su quoi faire. Heureusement que j'avais regagné une vie et qu'on peut ramasser les pièces à nouveau. Putain, mais vous avez vu, faut analyser les patterns des poissons. En plus, c'est chronométré le temps, mais c'est... Bon, encore heureux qu'on peut leur sauter dessus, hein, parce que... Oh, messieurs les poissons, là. Eh, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer, je vous le dis, hein. Moi, je suis un plombier, je suis pas... Voilà. Ah, je suis grand. Je retrouve ma force d'antan. Waouh, j'ai failli m'en prendre un. Ça qui est horrible aussi, mais en même temps qu'il fonctionne, parce qu'il faut pas qu'on les voit venir tout le temps. Oh, 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 alors là, je crois que j'ai eu du bol. On peut le dire clairement, j'ai eu du bol. Ah. Et raté. Raté. En fait, faut avancer un peu vite, mais pas trop vite, j'ai l'impression. Oui, la fin du niveau. On a réussi. Ouais, ce jeu s'annonce vraiment pas facile. Franchement, respect à tous ceux qui l'ont fini sans save date. Franchement, je dis respect à tous ceux qui ont réussi à finir le jeu sans tricher. Parce que maintenant, c'est possible, hein, mais il y a une époque où on pouvait pas. Oh. Je me suis trompé de bouton. Je suis con. Pas vrai. Juste, je me suis gouré de bouton, hein. C'est juste ça. Je me suis dit, ouais, j'ai le bon bouton. Et là, je vois ce que je fais. Je suis en mode, putain, non. J'ai appuyé sur la touche turbo comme un con. Putain, faut choisir un chemin. Vas-y, moi, je prends celui en hauteur. En général, le plus dur, ça veut dire qu'il y a une belle récompense à la fin. Quoi? Quoi? Vous me laissez le choix entre plusieurs chemins pour que dalle? What the... Je commence à en avoir marre. Et pourtant, on n'en est qu'au niveau 2. Bon, à tout à l'heure. Re, ça y est, on est revenu. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc comme ça que j'ai découvert en jouant au jeu. Enfin, du moins, en refaisant le niveau. Quand vous avez la fleur de feu, que vous arrivez à la garder, mais en vrai, le jeu est beaucoup plus simple. Plus simple, mais ça veut pas dire... faisable totalement, hein, juste plus simple à faire. Quoi, il y avait rien en haut, donc je passe en bas. On dit... Ah, on change un peu la donne. Évidemment. C'est justement quand je dis un truc du genre faut garder la fleur de feu que je la perds. Hein. Non mais c'est tout moi, ça. Ah, Bowser, tu me casses les bonbons. Ah non, mais c'est vrai, je crains la plateforme. C'est pas un peu chiant que le boss soit toujours pareil? Non mais on est d'accord, là ça fait deux fois que je bats Bowser de la même façon. Allez, on passe au monde 3, je pense qu'on a encore le temps. Je pense que je vais aller jusqu'au monde 4 à terminer et puis on verra ce que ça donne. Parce que je sais pas s'il y a 8 mondes ou s'il y en a que 4 dans ce jeu, étant donné que c'est le tout premier de Mario. Je me pose la question. Mais c'est pas vrai, j'ai sauté. Oh là là. M'en vais.
Là, on est de nuit, j'ai l'impression. C'est bien de changer entre la nuit et le jour, sur NES. Non, il y a des frères marteaux! Putain, je les aime pas, eux. Oh putain, non, pas eux, ils sont chiants, je ne les aime pas. Pitié, mais pourquoi vous les avez mis dans le tout premier jeu? En plus, j'ai rien, j'ai pas de champignons, j'ai que dalle. Vas-y, je vais me faire démonter, là. Non, non, alors, j'attends que tu remontes. Putain. Alors, doucement, doucement. Parfait. Oui! C'est ça que je voulais, justement, c'était un petit champignon. Parce que j'en avais besoin. Mais j'ai appuyé sur la bonne touche, pourtant. Ah non, je me suis trompé, encore. Je vais en avoir des game over, hein. Bon bah, tout à l'heure, encore. Alors, ça mène où, ça? Monde 3, hein, c'est bien ce que je pensais. Oui, je suis petit, je me suis fait avoir comme un bleu. Voilà. Ah, dégage. Champi! Merci. On avait besoin. Waouh. Putain, mais Mario, c'est un poids lourd dans ce jeu. C'est incroyable. Faut pas le toucher. Faut pas le toucher. Mais je croyais qu'il y avait des pièces. J'avais complètement oublié. Bon, tant pis. Ah non, pas toi. Hein. Tiens. Vas-y, descends-toi. Voilà. C'est qui le patron? Voilà, j'étais juste grand en plus, là. J'étais même pas avec la forme de la fleur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tiens, en parlant du loup. Merci. Je vais en avoir besoin, là. On est d'accord. Ah bah oui. Oui, j'étais... Non, en fait, j'étais bien sur la bonne touche. C'est juste que j'appuyais pas au bon moment. Commence à y avoir pas mal de fleurs là, je trouve. Tanan, 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 tanan. Attention, fais pas le con. Ah, si. Oui! C'est vraiment, mais alors vraiment pas facile ce jeu, hein. Non, mais je vous jure par contre d'une chose, c'est que je ne sais pas combien de temps dure le jeu. Enfin, je ne sais pas combien il y a de monde, combien il y a de niveaux, j'en sais rien du tout en fait. Rien que je le prenne, moi les points je m'en fiche. Ah putain, non, non, l'étoile s'est cassée. Oh, moi je me casse aussi, hein. Attendez, juste une chose. C'est bon, on peut reprendre. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Je veux savoir. Il n'y a rien ici. Enfin, je peux rien faire. Bah. Et fin du niveau! Bah, l'équilibre des niveaux, ça marche en fait. Parce que, comme vous avez pu le voir, moi, je vais trop vite au début. Et là, je prends un peu plus mon temps et j'y arrive mieux. Et petit à petit, la difficulté progresse. J'ai l'impression que ça fait ça par rapport à la difficulté de Mario. J'ai pas l'impression que c'est mal dosé ou... Quoique si, peut-être un petit peu, mais pas des masses en fait. Puis bon, difficulté mal dosée, tout le jeu reste quand même un sacré challenge. Ah, ils ont mis les plateformes qui se détruisent. Oh, ils ont même mis le système de balance, c'est-tu pas mignon? Ah, moi je ramasse les pièces, hein. Je veux à tout prix réussir ça. Par contre, ça fait bizarre de se prendre le plafond. Enfin, une plateforme, vous la prenez au-dessus de la tête quand vous sautez, ça vous arrête dans votre saut. Ce qui en soi est un petit peu logique, mais je comprends pourquoi les autres Mario après ne l'ont pas repris, parce que ce détail a dû en traumatiser plus d'un. Après... Easy peasy! Je dis ça, vous allez voir, je vais me casser la gueule. C'est certain. Voilà, qu'est-ce que je disais? Y a plus ma fleur. Je fais quoi sans ma fleur, moi? Wow, Bowser! Espèce de monstre.
Mais ouais, il y a vraiment du recyclage. Puis surtout, ça me fait rire parce que... Est-ce que ça veut dire que Bowser... Oh non! Excusez-moi, ouais, je voulais finir ma phrase. Est-ce que ça veut dire que Bowser, à chaque fois, il va plus vite que moi exprès? Non, parce que concrètement, ça veut dire qu'il va plus vite que moi pour atteindre le château. Voire atteindre la zone qu'il faut. Étant donné que c'est lui que j'affronte à chaque fois. On est d'accord. Donc, logiquement, ça devrait être ça. Et je dis bien logiquement. Alors, c'est là que je me suis fait avoir. Parce que le truc, il est dans l'autre sens. Et voilà. Tête, Bowser, j'en ai marre de tes flammes de... Vas-y, envoie. Olé, hola. Boum, et prends-toi la chute dans la lave. Voilà, c'est Mario, viens vous sauver. Merci Mario, mais notre princesse est dans un autre château. Vous allez me faire le coup tout le temps, parce que bon... Non, pas toi, pas là qui tue, pitié. Pas là qui tue. Est-ce que je peux choper son nuage? Non, là je peux pas, je peux juste le tuer. Là qui tue, non, c'est un des personnages les plus chiants du jeu, ça. Parce qu'en fait, il est là sur son petit nuage en l'air, il vous balance à chaque fois des bonhommes à pic qui prennent vie. Oh putain, là qui tue. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est lui qui fait le décompte dans les Mario Kart. Oui, parce que c'est lui qui fait le décompte en mode 3, 2, 1, partez! Là qui tue. Là qui tue, quoi. Ouais, heureusement qu'ils craignent le feu, hein, parce que... Putain! J'ai oublié que Mario y glisse! J'ai oublié que Mario y glisse. C'est chiant, ça. Maintenant, je comprends pourquoi les anciens les autres Mario, là, que moi, j'ai connus sur Wii, sur DS et tout, ils sont plus simples. Parce que, justement... Ah, mon champignon! Rendez-le-moi! Moi, je pars pas sans mon champi! Tu m'auras pas là qui tue! Je speedrun vers la fin du niveau! T'as vu, même toi, t'as peur! Ah, vas-y, fuis! Espèce de lâche! Là, y a un bloc! Yes! Putain, là qui tue! Mais quel enfoiré, ce petit! Quel enfoiré! Je déteste là qui tue! Je le déteste! Non mais est-ce que à chaque fois que je vais atteindre un monde, deuxième zone, il va me faire ce coup-là de cinématique? Parce que ça fait quand même plusieurs fois que je me la tape, hein. Ouais, une fleur! Moi la fleur! Ah, ah, ah. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je suis Mario! Et j'ai plein de fleurs pour tirer des bouboules! Encore une fleur au cas... Oh, oh, il y a encore un raccourci. Attends, je suis curieux. Non, putain. C'est vicieux, ça. C'est vicieux. Le pire, c'est que c'est des pièges, je pense, c'était pas voulu. C'était pour dire, ouais, vas-y, vous aurez des plateformes et tout. Mais ça fait quand même des pièges vicieux. Bon, bah, à tout à l'heure, encore. Nous replongeons dans l'enfer. Putain, bah ça recommence bien, je glisse. Bon, calme. Ouais, j'ai plus qu'une vie en plus. Je suis curieux, j'ai envie de savoir, là, pour le raccourci. Mais dégage, toi, là. Pourquoi t'as changé de sens? Je suis vraiment curieux. J'ai envie d'aller voir. Ah non, c'était juste pour passer au-dessus, d'accord. Je pensais que c'était un raccourci, moi, mais en fait, non. Si ça se trouve, il y a un raccourci ici aussi, pour atteindre le monde 7, 8, plus vite. C'est pas impossible. Ça ne coûte rien de jeter un œil. Oh, 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 plateforme montante, à mon avis, il y en a un de raccourci. Putain de merde! Première fois que je me prends une plante. Tiens, j'avais jamais vu ce genre d'ennemi avant. Ouais, j'ai regagné une vie. Ça sert pas à grand chose, mais c'est déjà ça. Ah putain, ouais, il y a encore un raccourci. Je suis sûr.
Bah écoutez, si je perds, on verra la prochaine partie, peut-être, hein, ça dépend combien il y a de monde, encore une fois. Là, on va déjà essayer de finir le monde 4, avec espoir, si je sais que c'est pas gagné. Faut vraiment que j'apprenne à me concentrer, moi. Alors. Ah, des champignons géants. Oh mon dieu, il y a des champignons. Allez, meurs. Moi, je ramasse toutes les pièces et donnez-moi mon petit champignon. Putain, raté. Oh, arrêtez de me faire des frayeurs comme ça, SVP. Oh. Alors, ce coup-là, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est connu, ça, dans l'univers de Mario, c'est balance. Le jeu est moins vicieux que j'aurais cru. Enfin, quand même pas mal vicieux, hein. Quand tu vois certains trucs. Mais honnêtement, il est pas si vicieux que je croyais, en fait. En fait, la difficulté de ce jeu vient surtout du fait que Mario est difficile à manier. Avec ses sauts, avec sa trajectoire, il est très dur à manier. T'as l'impression que c'est une brique. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Tout ce que je sais, c'est que je vais vers Bowser et que je vais lui faire la peau. Pourquoi j'ai le choix du chemin? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, le prochain, il va le faire en haut. Donc moi, je me mets au milieu. Oh là là. Ah bah non. Mais pourquoi je me retape le même décor? Qu'est-ce qui se passe, là? Vas-y, je passe en bas. Ah, ça y est. Ouh! Oui, gagné. C'est bien ce que je pensais. Merci Mario, mais notre princesse est dans un autre château. Donc il y a encore plus de monde. Il doit y en avoir 8 comme dans tous les Mario. Sauf que nous on s'arrête là, parce que je vous avoue que 4 mondes déjà, bah mine de rien ça pèse. Ça pèse. Bon, ça fera peut-être pas une vidéo très longue et je m'excuse si c'est le cas. Mais honnêtement, je vous assure, j'ai un peu les nerfs, donc il vaut mieux que je me calme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !